suite utilisé en particulier dans sa version navalisée, comme celui-là, par entre autres la marine australienne, qui a envoyé des sifflerets totalement semblables à celui-là, guerroyés contre les MiG-15 nord-coréens lors de la guerre de Corée. Oh la patrouille! Le Hunter est sorti du même bureau d'études que le Sea Fury, mais il a été mis, les premiers dessins du Hunter sont venus peu de temps après la mise en service du Sea Fury. Finalement, 3 ans après la mise en service du Sea Fury, de la Caravelle, un Rolls-Royce est venu. Caractérise le Hunter, c'est la beauté de son dessin. Les ailes, les empennages sont signés Sidney Cam, avec en particulier un bord d'attaque qui est toujours arrondi à l'extrémité. Il était dès le départ considéré peut-être comme le jet de cette génération le plus réussi. Délicieux à piloter. Parmi les utilisateurs du Hunter, il y a eu les Suisses, l'armée de l'air suisse, hein, qu'on appelait à l'époque les troupes d'aviation. Un certain nombre de qualités, mais pas une expérience énorme, et bien ça veut dire que l'avion était formidablement réussi. Ah là là. Il faut dire aussi qu'aux commandes de cet avion, il y a un bonhomme qui a quand même le sens de la trajectoire au bout des doigts. Patrice Marchasson, c'est un garçon d'une effarante modestie, mais il a commencé à voler avec son papa sur du côté de Rennes, sur un Zlin. À Laval, sur un Zlin, un petit avion de voltige, et puis après il est entré dans l'armée de l'air où il a continué de pratiquer le pilotage, mais un peu à la manière d'un pianiste virtuose qui travaillera toute sa vie pour affiner et améliorer le toucher, le doigté, le rythme, le tempo, la grâce et Patrice, c'est véritablement, avec le temps, il est devenu un des grands interprètes de la trajectoire, avec T majuscule. À tel point que les plus grandes et plus belles collections Mais d'abord, Eric, après Patrice, Eric Oert. Personnage, il disait qu'Eric avait été un grand personnage de l'aviation militaire suisse. Et il y a des gens qui sans très bien savoir à quel niveau a été la Suisse en matière de puissance militaire.